Alors, la question aujourd'hui aux praticiens porte sur l'autisme. Nos téléspectateurs préoccupés par cette question de santé ont posé leurs questions. On suit maintenant. Bonjour docteur, je suis Léa Karimou. Alors ma question est la suivante. Quels conseils pouvez-vous donner aux parents d'enfants atteints d'autisme? Merci. Bonjour docteur, ma question est la suivante. Peut-on prévenir l'autisme? Ou peut-on en guérir? Merci. Salut docteur, je suis Madame Soro Vicky Lydia et ma question est la suivante. Comment prendre en charge les enfants autistes? Merci. Troisième et dernière rubrique de cette émission, il s'agit du conseil de praticien. L'autisme, c'est un trouble du développement, c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire que c'est une perturbation du fonctionnement neurologique. Qui va retentir, qui va avoir un impact sur le développement des compétences psychologiques, de la communication, de la capacité à rentrer en relation. Donc c'est un trouble qui apparaît très tôt dans la vie des enfants en fait et qui va durer toute la vie. Donc c'est classé en fait, l'autisme est classé parmi les maladies en fait. Mais c'est un trouble en fait, un des enjeux, c'est de faire que la personne qui a de l'autisme, donc qui fonctionne de façon particulière, ce qui est une neurodiversité, que cette personne ne devienne pas handicapée en fait, à cause de ce fonctionnement particulier. Ça apparaît avant l'âge de 3 ans. Et c'est ce qui va permettre de poser des diagnostics. Alors, d'où ça vient? En général, on ne sait pas bien, parce qu'il y a des causes génétiques. Et scientifiquement parlant, il y a plus de 200 gènes qui ont été identifiés comme pouvant entraîner de l'autisme. Dans des familles, c'est transmis. Il y a aussi des situations où c'est pendant la conception de l'enfant qu'il y a une mutation génétique qui arrive et qui va entraîner, on va voir qu'il y a de l'autisme. Il y a des causes biologiques. Il y a des facteurs qui favorisent, comme la prématurité, comme des souffrances, enfin des difficultés à la naissance, ça peut favoriser ça. Et puis il y a des causes environnementales liées aux pesticides, liées aux toxiques, etc. Donc c'est un peu ces trois causes-là qui vont se croiser, voilà, et puis produire ces résultats. Ce qui est sûr, c'est que l'autisme n'est pas d'origine mystique. L'autisme n'est pas dû à une mauvaise éducation des parents, ce n'est pas les parents qui sont responsables, ce n'est pas parce qu'ils ont mal éduqué leur enfant. Il existe en Côte d'Ivoire des mesures d'accompagnement pour les personnes avec autisme. C'est vrai que c'est des premières mesures, elles ne sont pas suffisantes, mais il y a déjà quelque chose qui est fait et depuis plusieurs années. La question de l'autisme en Côte d'Ivoire, on a commencé vraiment au niveau des structures de santé à s'en occuper autour des années 2008. Commencer vraiment à s'occuper de cette question avec la formation, avec une amélioration du diagnostic, une amélioration de l'accompagnement des enfants. Et puis depuis 2017, il y a un service spécialisé, un service de référence qui est le centre Marguerite Bonnet. Donc avant c'était géré plus au niveau du centre de guidance infantile. Depuis 2017, le centre Marguerite Bonnet existe, il est logé à l'Institut National de Santé Publique et c'est un centre qui est spécialisé dans le diagnostic et dans la prise en charge de l'autisme. Ensuite, donc au niveau de Boaké, au niveau du service de pédiatrie, de psychiatrie de Boaké, il y a une unité de pédopsychiatrie qui s'occupe aussi d'autisme. Que fait d'autre la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, au niveau associatif, il y a de plus en plus d'associations qui se créent pour essayer d'apporter de l'aide, soit dans le dépistage, soit dans la prise en charge et les structures qui existent. Mais au niveau étatique, on a essentiellement ces trois unités-là, le centre de guidance infantile, le centre Marguerite Bonlé et l'unité de pédopsychiatrie de Boaké. Globalement, la prise en charge de l'autisme, elle a trois axes. Elle est thérapeutique, elle est éducative et elle est pédagogique. Donc, la prise en charge psychologique dont vous parlez pour les parents, elle s'inscrit dans le volet thérapeutique. Il y a tout ce qu'on va faire pour l'enfant, mais c'est impératif de mettre en place une guidance parentale. Voyez. Alors, soutien psychologique, oui,
pour les parents, mais surtout guidance parentale. Parce que quand on pose le diagnostic d'autisme chez un enfant, ça entraîne une espèce d'effroi chez les parents, que l'enfant ne soit pas comme il aurait dû être et que il va rester autiste toute sa vie. À quel moment il sort de là? À quel moment il devient normal? Donc, c'est très violent pour les parents, c'est très déstabilisant, c'est très blessant pour les parents d'avoir un enfant avec autisme. Donc, la prise en charge psychologique, elle est importante. Il y a des associations sur le terrain qui s'occupent d'accompagner les parents. Au niveau du centre de référence qui est logé à l'INSP, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on organise souvent des groupes de parole pour les parents, des activités de soutien à la parentalité, parce que l'idée dans la prise en charge psychologique des parents, c'est de les aider à redevenir des parents, c'est-à-dire à trouver de nouvelles stratégies qui vont s'adapter au fonctionnement neurologique de leur enfant, à ses compétences, pour qu'ils puissent retrouver la capacité à l'éduquer, à l'élever, et qu'ils ne soient pas complètement dépassés par l'autisme. Il ne faut pas attendre 3 ans. Non, ça va venir, non, machin, non. Il faut tout de suite, le plus rapidement possible, essayer d'avoir une consultation de pédiatrie, essayer d'avoir une consultation spécialisée, soit auprès d'un pédopsychiatre ou auprès d'un éducateur spécialisé, pour voir déjà s'il n'y a pas une perturbation réelle du développement de l'enfant, pour voir commencer à l'aider très tôt. Je voudrais dire aux parents que c'est possible de faire des choses aujourd'hui et que ces 5 dernières années, tous les efforts qui ont été consentis avec l'appui du ministère de la Santé, avec l'appui des structures qui sont en place, en fait, on obtient des résultats, on obtient une avancée dans le combat contre l'autisme. Je voudrais dire aux parents qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des associations, il y a des professionnels. Si vous ne trouvez pas une oreille attentive à une porte, ne vous arrêtez pas à frapper. Vous trouverez toujours, vous finirez par trouver quelqu'un qui peut vous aider réellement à faire bouger la situation de votre enfant et qui peut vous aider à vous ajuster à l'autisme de votre enfant. Nous voilà à la fin de votre émission, votre magazine de santé sur Business 24, Santé 24. Je suis Irène Bailly. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. J'ai été accompagnée aujourd'hui à la réalisation par Tima Traoré, notre assistant de production Michel Brou, et toute l'équipe derrière se joint à moi pour vous dire merci. On vous retrouve très prochainement. À très vite.